Tournez retour, nous sommes de retour pour cette énigme de merde, pour cet épisode 8 de l'ombre de Lara Croft. Pronostic 5 minutes. Regardez. On peut pas. Peut-être c'est ça. Peut-être que finalement c'est ça. Oh là 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 là, j'oublie de faire la munition avant d'arriver là, moi. Oh là là, casse les couilles. Allez, voyez. Réel arrive. Une espèce d'odeur. Une odeur douce. Et regardez, c'est sûr que c'est pas ce truc-là. C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Il doit y avoir un moyen d'atteindre ce chemin. Bien sûr qu'il doit y avoir un moyen pour atteindre ce chemin, enfin. Logique. J'atteigne le commutateur d'ici. Je sais reconnaître une énigme de Merlin quand j'en vois une. Il doit y avoir un moyen d'atteindre ce chemin. C'est trop facile. J'ai pas confiance. Oh là là. Arrêtez de dire que c'est facile, madame. C'est tout sauf facile, là. Merde, c'est fermé. Merde. J'atteins le commutateur d'ici. Merde. Merde alors, merde. Vraiment Yampoplouf. Il vous le dit Yampoplouf. Parce que même quand je suis tout en haut, ce truc là, j'arrive pas à sauter dessus. Ce truc là, j'ai l'impression que c'est genre après. Genre il faut que je trouve un moyen d'arriver là. Pour qu'ensuite je tire là-dessus. Et qu'avec cette merde-là, j'arrive à aller sur ce truc-là pour ensuite aller là, monter là-haut, activer le gaz de celui-là pour monter encore plus haut. Mais d'ici à là-haut, là, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Abby, j'ai trouvé une note. Elle a été écrite par ta grand-mère. Elle ta grand-mère. Elle a tué un homme pour se protéger. Eh hey, ben oui, c'est sûr que... Elle l'appelle le disparu de Port-Bénir.
Ça te dit quelque chose? Je me souviens, quand j'étais petite, il y a eu... Il y a eu des recherches à un des ouvriers. On va retenter vite fait d'aller en bas pour voir, mais... On l'a jamais retrouvé. Peu après, la dernière goutte de pétrole a séché et... Parvenir... C'est trop facile. Et le pétrole, j'ai pas confiance. Il y a vraiment un délire que je comprends pas. Je ne pense pas qu'elle ait eu le choix. Ça me gratte sous le bras. Lui, pourquoi il est comme ça, lui, là? Putain de gaz. C'est trop facile. J'ai pas confiance. Oh, Bettine, j'ai pas confiance. J'ai vraiment pas confiance. Il doit y avoir un moyen d'atteindre ce chemin. À gauche, ce truc. Ce chemin. Je ne vois vraiment pas ce que je dois faire. Non. Non. Je crois que je viens de voir. Je crois que je viens de voir. Yo la fée verte. Yo le mec qui perd contre un gorille géant. Perd contre un gorille géant le mec, imagine. Regarde. Je crois que c'est par ici. Putain de merde. Va voir ton jaguar. Comment tu vas, mon halo? Ça va, tranquillou? Yo, Stiz. Comment qu'ils vont, là? Bah, visiblement, faut croire que c'était ça. Hein. Et ferme-la! Ferme-la! J'ai pas le choix, c'est pas moi qui décide. Et on n'a que le droit à avoir une ligne de fibre par appartement, il m'emmerde lui. Je peux rien moi. Et du coup j'ai même plus besoin de faire montrer le bazar là. En vrai. Le Alendor, comment qui va? Vous êtes bien amusé hier? J'ai pas tout regardé hier. Mais Mais j'imagine. Je crois que je vais. Abby, j'ai le journal de ta grand-mère. Elle... Le journal de ta grand-mère, elle Abby. Pour toi. Je te laisse le lire par toi-même. Ça risque de faire beaucoup à digérer. Ah. Tu peux pas t'arrêter là comme ça. Allez, qu'est-ce que c'est? Oui, oui, Bozidi, Alendor, Bozidi. Tu es une descendante d'Abaran, la reine Maya, du côté de ta grand-mère.
Tous les nuages de gaz sont visibles d'ici. La reine Abaran. Ma grand-mère a un lien de parenté. Une reine Maya. J'ai un lien de parenté avec une reine Maya. Oui. Tu es une gardienne, d'après ce que ta grand-mère disait. C'est écrit là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis même pas une Maya. Cette journée commence à m'épuiser. Pilar va devoir répondre à pas mal de questions. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oh merde, je suis plus dans la plateforme. C'est un cœur qu'on a fait des duels en multi. C'est sur le métaphore. Ah ouais, ça se met bien. Ça se met bien. Ah, attends. Allez. Let's go. Let's go. Splendide. Sûrement une famille royale. Un sarcophage? Comme un cercueil? Exactement comme un tombeau. Je croyais que c'était une forge. Comme un tombeau. La personne qu'on a ici était étroitement liée à cet endroit et à sa fonction. Trop cliché, ouais. Eh ben, c'est bien. Grenadier, fabriquer des grenades. Ok. Ah ouais, ralou, jaloux, j'y crois pas. T'imagines, t'es ralou, tu fais 2 mètres, une barbe de 5 mètres, un espèce d'Apollon nordique, et il est jaloux. Non mais imagine. Ah ouais. Qu'est-ce que... Vous la notez combien, là, la blague là, de Damien, là, juste pour savoir. Non mais c'est pour un pote, juste pour savoir. Sur 20. Eh bien. Papy, il t'aime vraiment bien, Damien. Je te le dis. Ah ouais, non mais le ralou, il fait des streams de 10 heures. Laisse tomber. Tant que c'est au-dessus de Concorde, ça me va. Ah ouais, non mais laisse tomber. Oh, il rigole zéro, le ralou. C'était une forge, mais plus que ça aussi. C'est... Oh, c'est pas impossible, hein, Lendor, le ralou. Quand il est sur un gros jeu, même pas des fois, hein, mais il va même faire une session avec deux jeux, il fait des lives de 7-8 heures, l'autre complètement... No lo sé. No lo sé. Me dijo que lo que había nacido en ese lugar se había perdido hace mucho tiempo, pero dijo que el mensaje que contenía siempre perduraría. Era un mensaje de esperanza para el futuro.
Si tu savais tout ça, pourquoi tu m'as rien dit ? Le secret. Ah, lo siento. Secret familial. Hice una promesa a Mariana. Alors quoi ? Je dois accepter sans broncher que je suis Maya du jour au lendemain ? Voilà, voilà. Se ha diluido a lo largo de los siglos, pero tú desciendes de ella. Ah, lui compte pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eres una guardiana, Abigail. Mais non. Como Mariana y su madre antes que ella, desde los tiempos de Abarrane. Mais non. Je peux pas être une gardienne. J'ai des responsabilités. Oh, merde, alors. Has estado protegiendo este pueblo durante años. No lo supiste siempre. Te has sentido obligada de alguna manera. Ah, oui. Ahora eres la guardiana de la historia. C'est sur papier, il a apprécié cette blague. Il est fan même. C'est ce qu'elle me racontait, grand-mère. Elle disait que c'était à elle de préserver cette histoire, de la protéger. Elle m'a promis qu'un jour, elle me montrerait où c'était. Et qu'ensuite, ce serait à moi de garder cette légende. La légende. No olvidó su promesa. Le Tomb Raider. Es una forma du coup, vous, Wallander, vous avez commencé à regarder la série animée Tomb Raider là, sur Netflix bien, ou pas, pas toi. Plutôt que de m'en parler, il a fallu qu'elle m'envoie dans une chasse au trésor. Ah, amaba a tu abuela como si fuera mi propia hermana. Et alors, c'est bien ou pas? Pero a veces era peor que un dolor de muelas. Est-ce que c'est mieux foutu scénaristiquement que les jeux? Abby, je crois que je vais vous laisser discuter tranquillement ouais, toutes les deux. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Vous avez des choses à vous dire. Ouais, vous avez des choses à dire, je crois. Merci, Lara. Pas sûr, mais je crois. Hein. Prends ça. Je veux te remercier pour qu'est-ce ton aide. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et avant que tu dises quoi que ce soit, c'est la coutume. Alors, tu peux pas refuser. C'est quoi, c'est de l'argent ? Merci. Et ombrage, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais bon, bah, au-delà du scénario, je sais pas, mais l'animation est bonne. Il est où le feu de camp là ? À gauche. Bon, et monseigneur, tu sais quoi, je vais foutre un truc bleu. Y'a plus la musique ? Ah si. Putain, mais y'en a pas un dans ce village là, normalement. Putain, faut que je fasse le tour par là. Pardon, pardon, pardon. ¿Tiene algo que quiera comerciar? Allez, alors, allez. Voyage rapide. Voyage rapide, on va aller bah, ici, quoi, à côté de l'histoire, hein, tout simplement. Ah, là, vous êtes normal, quoi. Regardez en sous-titré anglais, quoi. En VOSTFR, quoi, normal. Non. On aura tout. Mais. Hetzley s'est fait prendre. Je sais. Je vais aller voir mes armes et tout, moi. Nous cherchons un moyen de le sauver. J'ai tout essayé, je suis désolée. C'est un guerrier. C'est quoi ? C'est une clé. Et pas n'importe quelle clé. On dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne. C'est tout près de l'endroit où ils le retiennent. Les amis. Si la boîte à quoi servent les clés, au juste ? Un lien avec la caserne. C'est pour ça que le culte s'est installé au temple. C'est imprenable. Pour y entrer, il faut être discret, silencieux. Il y a un passage ? J'en connais un, près des mines de sel. Mais on dirait plutôt un colombin. Une crotte en forme de serpent. Ouvre-moi les... Mais t'es un malade, toi. Tu as survécu à la fosse du sacrifice. Mais t'es un fou. Tu veux sauter ou quoi, là ? Il est pas bien, ce type-là. Mais si j'en crois mes souvenirs,
La caserne est dans une forteresse intérieure. Oh, tire-moi cette merde, là. Il est fou, ce mec. Si j'arrive à passer par là, je ferai de la place pour vous faire entrer. On retrouve Etsli, et puis ensuite la boîte. Pas bien, ce type. C'est dingue, ça. Je m'occupe de mon fils. Je te laisse la boîte. En fait, Ralou, il écoute la petite voix dans sa tête. Pas bien, ce type. C'est un malade. T'es pas bien, toi. T'es un malade, toi. T'es pas bien dans ta tête. Il est où ce putain de feu de camp, là? Rien que ça, Matt, c'est 18. Il a dû regarder saloperie sur les cyborgs. Bon, du coup, je suis baisé. Je peux pas... Je vais devoir attendre un autre... Ah, bah. Allez, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai jamais voulu... Mais que fait-on? Je n'ai jamais voulu. J'ai 4 points de compétence. Localiser le cœur d'un animal, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Sur une branche, lancer une flèche grappin pour tuer et cacher mes... C'est un truc que j'ai déjà, ça, non? C'est quoi? C'est-à-dire ça me régène? Dans les canopées. Augmente les chances de récupérer des flèches en fouillant les ennemis et les animaux tués avec l'arc. Je sais pas trop si je prends ce truc-là, là. Parce qu'à chaque fois, j'ai 1 million de ressources sur moi. Fabriquer des grenades empoisonnées qui tuent les ennemis proches et obscurcit la vue. Bah attendez, je vais prendre un truc à 3 là. Efficacité des plantes de concentration boostées. Rien à foutre, les... Mais c'est quoi ça? Je vais prendre un truc comme ça. Ah mais non, mais en plus ceux-là, je peux même pas les prendre. Je suis con, moi. Ça, c'est un nouveau truc. Réduit les dégâts causés par le... Oui, ok, ça c'est les trucs qu'on a débloqués en faisant les... Réduit les dégâts quand vous tombez dans... Allez, vas-y, vas-y, prends-moi ça, comme ça c'est fait. Immobiliser les ennemis sans protection avec une contre-attaque après une esquive. Je sais pas, dans le canapé, ouais, ça doit être ça. Allez, prenons ça. Allez, vas-y, vas-y, on prend ça, on prend ça. On maintient L2 pour bender votre arc. Maintenez R2. Ok, ok, c'est comme dans le 2, quoi. Mais pourquoi j'ai pas mes armes, là? Ah, dans ce temple de mort, on peut pas avoir nos armes. Ok. Ok, c'est bon. Bandé, bon. Bendé, pas bandé, enfin. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok, d'accord. Plus de précision. Du coup, les dégâts sont déjà au max. Hein. Alors, attendez. C'est ça l'arme qu'on a eue, là. Oui, il rapporte de l'argent à Twitch, donc du coup, il peut tout se permettre. C'est ça, hein, c'est ça quand, quand tu rapportes des sous à Twitch, tu peux tout faire. Tu peux regarder des films sur Netflix, tu peux vraiment tout faire, quoi. Lui, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Ushu et moi, on parlait... Ah. Ushu, qu'est-ce que je peux faire? Le jour du couronnement d'Etsli approche. Bientôt, il sera un homme. Et okay. Il entamera le chemin qui le mènera au trône de Paititi. On dirait que tu attends ça impatiemment. C'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte. Parfois, ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Quand Saeri, le père d'Etsli, est mort... Il dit ça, mais il le fera jamais. J'ai certaines tâches paternelles. Parmi elles, je dois réunir 3 objets sacrés pour la cérémonie. Mais... Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu es débordé.
Parle-moi de ces objets. Il ne le fera jamais. De la lunette du sauveur, de l'arc du champion et de la corne. Je le dis. Une bénédiction des ancêtres de notre futur roi. Dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire. J'ai déjà envoyé des hommes chercher l'amulette. Non mais ça c'est une quête secondaire ça. Le fabricant d'instruments et qu'il te donnait la corne du roi, ça nous rendrait un fier service. Il est réticent. J'ai envoyé deux hommes, les deux ont échoué. Tu pourrais peut-être parler à sa femme. Je crois que c'est dans mes cordes. Méfie-toi, Kabil peut se montrer désobligeant, mais Abra, sa femme, sait comment lui parler. Seigneur, mais pourquoi... ok. Je veux dire, pourquoi le chemin ne se met pas direct là? Attendez, oulala. Ok, c'est bon. Moi, son histoire, là, son affaire, j'en ai rien à branler. Hein. Je vais pas mentir. Jonah, je crois que j'approche de l'entrée de la mine. Bouchou dit que c'est au bord de la montagne. Il a envoyé un rebelle pour l'ouvrir. Merci. Non mais t'inquiète, il le fera pas, il le fera pas, t'inquiète. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. J'y suis. Il est normal, il le fera pas. Ça discrètement. Oula oula, qui c'est qui fait du tambour là ici là? Oh, le stream piscine. Hâte de voir ça. Et du coup un stream piscine où tu vas jouer ou un stream piscine ça va être full just chatting? Il va foutre la main sur Twitch. J'y suis. Onuratu vient de partir avec Akan. Elle attend que tu ouvres la porte. Et où ce putain de feu de camp là? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah bah oui hein. Du badminton, bah je kiffe bien le badminton. Ça regardera hein. Ça c'est une nouvelle arme. Ah oui. Ah oui. Il a un plan. Hein. Wama takani kakale. Yanu jantala surtal jetel ukil el kiko. Walkila, shena choaba. Malo bin lak. Faut que je peux pas. Le loot. Ah Lou, il veut les vues là. Je suis sur la bonne voie. Il a un plan de carrière. Attention,
Lancer les jars en céramique pour distraire les ennemis utilisés, fabriquer des grenades fumigènes. Bon, le jeu il veut absolument que je prenne ça. I am the knight. I am the vengeance. T'imagines? Level Ragnar. Ok, on passe par là. Comment ils savent qu'ils sont attaqués ceux-là? Je crois que c'est là. Trop marrant le Batman Ragnar. Oulala. Bah attends, j'ai pas de fumigène moi là. Voilà la porte que je dois ouvrir. Ah. Ok. Hop les gadous. Tu vas nous cramer l'autre là. Kenke, Titu, la tictemacase se wentli, te machli qualin timich masiltise, kena. La morro chichi. Melawa quality guachtosquia se chiquei tonali. Ils sont deux les bâtards. Comment que je vais faire? Ok, il est plus tout seul. Oh merde. Tu as toujours pas vu que j'ai flingué son pote. Dans le gag, ça les tue tout de suite. Oh, toi, j'ai pas le temps. Toi non plus, j'ai pas le temps, c'est bon. Maintenant, je dois ouvrir cette porte. Oh, les deux. Les deux derniers. J'ai craqué. Le mécanisme de la porte doit se trouver en haut de ce mur. Et du PQ. Pourquoi j'en entends d'autres là? Hop les. Regardez, je suis plein de tout. Comment je peux. Impossible. Je peux plus rien transporter. C'est terrible ce jeu là. Il y a des ressources de loot. Mais constamment j'ai tout quoi. J'ai toutes les ressources constamment. Ah. Alors, ouvrons. D'accord.
C'est-à-dire qu'on a passé la porte, mais il faut quand même ouvrir la porte pour passer la porte. Ah, c'est nos amis. Ah non, c'est pour que nos amis puissent passer. Putain. Il y a toujours un chauve dans les jeux, c'est une dinguerie ça. On est bien représenté. La clé. Le caca de serpent. Il faut le mettre ici. On dirait un colombin, hein, on est d'accord. Une colombe. C'est qu'il est gentil. Bah après, en vrai, Jason Statham, il est rarement méchant, tu vois, par exemple. Donc en vrai, ça va. Non. Non, merde. Non, merde. Je vais le sortir de là. Ah, va s'en prendre une en plein dans la gueule. Hein? Bah t'es jaloux. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Non. Oh, franchement, je suis pas jaloux. Hein. Personnellement. Jonah. Comment va Edsley? Ça va. Ils l'ont libéré. Mais Onura Tu a été capturé. Oh, non. Par contre, il y en a un. Faut être ça vraiment. Ouais. Mais... Je pars chercher la boîte. Je sais pas d'accord, quand je reviendrai. D'accord, Ralou. Qu'est-ce que tu dois faire? Merci. Il est excité ce soir. Il est excité, le garçon. J'allais dire, il y en a un, par contre, il se met bien, là. C'est l'acteur là qui joue Zemo, là, dans Marvel, là. L'autre, il a fait un film. Ou dans ce film, il fait un plan à trois avec Sweeney, là, je sais pas quoi, la blonde, là. Et Ana de Armas. Alors, lui, il a tout épine, lui. Lui, par contre, là, il y a de quoi être jaloux, là, mon ralou. Lui, par contre, là, tu peux y aller, là, y a pas de problème, là. Là, je comprends, là. Bah, t'as qu'à être acteur aussi, ralou, c'est ça ton problème. T'es là, qu'est-ce que t'attends? Hollywood t'attends, là. Une dinguerie, ça. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que Keanu Reeves, dans un certain film, ça se met bien, ouais. En effet. Ouais, t'as qu'à être acteur, hein, Ralou. Après, c'est du cinéma, Ralou. Hein. Ils couchent pas vraiment ensemble. Hein. Et tu pourras faire croire à des millions de personnes via un film que c'est vrai, quoi. Attendez. Bon, pas qu'on faut y aller. Ah bah merde alors. J'ai fait le con en faisant ça, non? Ah. Faut peut-être que je saute, non? Je pense pas à l'Endor. Keanu Reeves, c'est un seigneur. Il a des principes. Il mélange rarement le boulot et goulou. Ah, c'est quoi, c'est une cinématique là? Oui. Les plus
plus sage, les pires. Ah ouais. On dirait qu'il y a un temple un peu plus bas. Tu penses que Keanu Reeves c'est un enfoiré, papy? C'est ça que tu dis? C'est ça que tu es en train de dire? Non, mais dis-le. À cause de moi, ils tiennent Unuratu. Ah, ça nous dit combien j'ai. Qu'est-ce là que bah, un point. Rien à foutre. Tant qu'il aura besoin de la boîte, rien. Elle restera en vie. Ouais, ouais, que des bonnes choses qui sont dites de lui IRL. Donc en vrai, bon, ça m'étonnerait quand même. Après, on n'est pas à l'abri. Hein. Tout peut arriver, malheureusement, mais. Je pense pas. Qui a bien pu faire ça? Regardez en ce moment Master Snaku là. Vous avez vu ce qui lui est tombé dessus là, Master Snaku? Terrible. Il a répondu aujourd'hui là. Enfin, il a répondu. Oui, il a répondu. Ouais. Il avait son petit message. C'est où? Mais je peux plonger. Bah appuyez sur rond madame. Mais j'appuie sur rond pour qu'elle plonge. Magnifique. Ouais, je pense pas, j'espère pas. J'espère pas, monsieur Damiang. Non, ça fait bien plaisir de voir des vidéos de célébrités qui, genre en soirée et tout, ne serrent pas la main à P. Diddy, etc. Là. Il s'est fait recal par les vrais. Genre Denzel Washington là qui lui fout des F de l'infini. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Encore les piranhas et les trucs là-dedans. Là. Oh là là, j'espère pas. Let's go. Allons là-dedans. J'allais dire, on dirait les piranhas, mais non. Du coup, je sais pas vers où je vais, hein. Mais j'y vais. C'était quoi ce bruit là? Ah merde! J'ai cru que c'était un piège au sol, mais non, pas du tout. Je les avais oubliés ceux-là. Là-haut. Qu'est-ce que cette merde? Regardez, j'ai trop de trucs sur moi, je comprends pas. J'ai trop de ressources de plein de choses. Et je sais pas. Je sais pas comment faire. Oh bâtard, ok d'accord. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Oh putain! Ah merde, faire des munitions comme ça, ça nique des rouages. Waouh. Ah ouais non, j'aurais pas dû faire ça. Mais attendez, mais c'est quoi ça?
pas venu là pour souffrir, moi. C'est comme ça, moi, mon copain. Ça sort la mitraillette. Hein. Il va y avoir un screamer, il va y avoir un truc. C'est quoi, putain. Un scarabée. Et tout bande de saloperies. Hop les. Reprenons notre souffle. Et... Oulala, le jeu. Allez. Allons-y. Ah, c'est peut-être ces gens-là, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Défi bateau. Défi tombeau, pardon. Ah, encore cette pieuvre de merde, là. La merde, je dois aller où, là? Je sais même pas où je dois aller, mais j'y vais. Quoi ce bordel? Ça a bien dit. Bien dit ça, Damien. Bon, par contre, je sais pas du tout où je vais, moi, là. Ça apparaît dans Défi Tombeau, alors que normalement, je suis censé suivre l'histoire. Je sais pas où je vais, là. Il y a une musique stylée en tout cas. Oh. Il y a un jeu de camp. Bon, où c'est que je suis moi là? Mais je suis pas du tout là où je dois aller. En fait là je suis en train de faire le tombeau là. Aïe aïe aïe. On est en train de faire un tombeau là en fait. Horrible. Je rêve où en fond il y avait un truc qui bougeait. La bataille a dû être incroyable ici. Je dois trouver un moyen de franchir cette barricade. Une ambiance inquiétante. Tu as trouvé un moyen de franchir cette barricade. C'est vrai ça. Qu'est-ce que je peux faire moi? Ok. Ok, allons-y. Thank you.
Les origines. Faut que j'arrive à grimper sur la coque. Des ressources, ok. T'en vois rien là. On ne voit rien quasiment. Ok, il faut que je monte là-haut, là, mais... Comment que je fais ? Ah ouais. Je suis baisé. Putain, moi, je vois rien. On voit rien. Pourquoi je peux pas sauter là? Ah! Je peux pas bouger ce truc. Ah voilà. Let's go! Ah, elle a mis un chassé, mon pote. Digne de Kratos. En mode Léonidas. Un bateau hanté. Je peux peut-être passer par là. Je dois trouver un moyen de passer le pont. Alors, à quoi ça va servir, ça ? Je dois atteindre la proue. Le camion est en position, d'accord. Je peux casser ce truc là, visiblement, mais il faut que le bazar y... Je dois atteindre la proue. Commençons pas, ne commençons pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je dois atteindre la proue. Je vais voir de l'autre côté. Ok. Mais... Et prenez enfin ! Oui, oui. Merci. Ah, oh, ça a pas commencé, hein. En fait. Hop, les... Par contre, le coin, là, de cette map-là, il est ultra sombre, hein. Je sais pas comment ça rend pour vous. Moi, ça rend assez sombre. Hein. À vous, j'ai l'impression que c'est même pire pour vous. Je sais pas, mais c'est une sale impression. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah voilà, vous voyez rien.
C'est bien simple, vous voyez rien. Mais attendez, mais pourquoi je peux pas monter là? Ah, vraiment un tout petit peu quoi. Et bon, bon. Genre là, ici, c'est sûr, vous voyez que dalle. Mais je comprends pas. Y a vraiment pas de. Regardez-moi ça, mais qu'est-ce que. Et y a rien ici en fait. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais. Peut-être j'ai loupé un truc. J'ai l'impression, hein. Là-dedans, non, y a rien. Je dois atteindre la proue. Hey, pour moi, il faut que je fasse ça, tu vois, pour aller dessus. Ok, je peux plus le bouger le truc. Je crois que je peux plus le bouger. Oh non, ça nous refait comme la dernière fois. Et voilà, c'est obligé d'être là. Je dois atteindre la proue. Je dois atteindre la proue. Je dois atteindre la proue. La proue qui n'est plus dans les Simpsons, là. J'ai appris ça il y a quelques temps. Putain, mais. Je dois atteindre la proue. Je comprends pas. C'est un truc de ouf comment dans ce troisième épisode, les énigmes. Je dois atteindre la proue. Les couilles. Elle casse les couilles les énigmes dans ce troisième épisode. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment elle casse les couilles les énigmes dans ce... Non mais c'est vrai. Je dois atteindre la porte. Elles sont casse-couilles. Regardez. Là, 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 là. Ça devrait faire ça. Là, là, brunier. Vraiment, ouais. Je vais retenter la main parce que bon, ça a l'air d'être pas qu'il faut aller, mais. Vraiment, les énigmes dans ce troisième opus, elles sont compliquées pour pas un sou. Compliquées pour pas un sou, messieurs. J'ai pas assez de place pour ça. Alors, j'arrive là, je sais pas où je dois aller. Regardez-moi ça. J'arrive là, y a rien. Y a rien pour moi ici. Il y a, limite, y a ce mur, mais je peux même pas le monter. Je peux même pas le monter, mais si, rien pour glitcher. Y a rien à faire en fait là dans ce truc là. Non, ici, je suis déjà plein. Je peux plus rien transporter. Là, y a rien. Là, c'est là d'où on vient en... en montant de l'eau. Là, c'est là pour monter. Maman, messia. Maman, messia. Yaezobé. Je dois atteindre cette caisse. Non, non, mais. Non, non, mais c'était ultra logique en fait. C'est de ma faute. Je dois atteindre cette caisse. Ok, ok, je veux bien moi, mais comment on fait?
Ah, attends, déjà, je vais faire une voie de sortie. Voilà. Oh là là, l'enculé. Ben, en fait, le truc surtout, c'est que là, ce truc-là a grimpé. Mais c'est, ça se voit pas du tout que c'est un truc à grimper en fait. C'est je dois atteindre cette caisse. Alors. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas, je suis baisé. Je dois atteindre cette caisse. Je suis baisé avec ce truc. Non, t'es en train de me dire qu'il faut que je remette le truc là où il était. Et que je revienne ici. Maman, mais si. Tranquille, tranquille, c'était rien. Mais non, mais. Oh les mains, c'est vilain. Ah mais non, mais du coup, ça n'a rien à voir avec. Un moyen de passer le pont. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. La merde. Comment que je peux faire, moi? Je dois trouver un moyen de passer le pont. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ici, du coup, là, je comprends pas. Je dois trouver un moyen de passer le pont. Je vais tenter un truc. Je dois libérer la baume. Bien, mais je dois libérer la baume. Hey, oh là là, oh là là. Mais non, mais saute dans ce fil, sur le fil. Je dois libérer la baume. Putain, dis plus, je dois lui. Ah si. Ah. Oh merde. Qu'est-ce que je peux faire ici? Y'a rien. Oh là. Non. Je dois libérer la bombe. Ah oui, 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 on a compris. Mais regardez, mais ce truc-là, il veut pas bouger, en fait. Je fais comment, moi? Je dois atteindre cette caisse. Oh. C'est impossible. C'est quoi, ça? C'est quoi ça? Je dois libérer la baume. Je dois libérer la baume.
Regardez-moi ça. Oh là là, ok. Oh là là, mais qui pense à ça? Je dois libérer la baume. Oui, bon, c'est bon. Non mais le saut, il est tellement loin, je pouvais pas, je pensais pas qu'on pouvait aller là, moi. Merde, j'arrive pas à atteindre la baume. Je vais libérer la baume. Je dois orienter la baume. Ah, maintenant il faut l'orienter. Ah, mais attendez. Du loot. Je dois orienter la baume. D'accord. Bon. Comment que je fais pour descendre maintenant, moi ? Je peux descendre ou pas ? Oui. J'aimerais descendre tranquillement. J'aimerais descendre tranquillement, c'est possible ou pas ? Non, je vais me faire enculer. D'accord, j'ai compris. On te fait... Tu as la possibilité de monter tout en haut, mais va te descendre. Complètement con. Je dois bien pouvoir grimper sur les mâts. Hey, mais... Faut que je déplace maintenant ces trucs-là. Je dois orienter la baume. Ah, ben ferme-la. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Mais c'est une dinguerie. Mais... Là où y'a rien, comment que je fais ? Y'a rien là-haut. Je dois bien pouvoir grimper sur les mâts. J'imagine que je peux pas faire le chemin inverse. Mais seigneur, ça n'a aucune logique là de remonter là-haut. Y'avait rien là-haut. Mais montez, madame. Mais montez, madame. Ah ouais. J'ai l'impression que l'histoire du 3 va être plus intéressante que celle du 2, je sais pas. Mais alors, il y a quand même des phases dans ce troisième opus qui sont vraiment casse-couilles. Hein. Genre là, quoi. Genre là, qu'est-ce que je fais, là? On me dit qu'il faut que je monte là-haut. Mais je fais quoi? Je dois orienter la baume. Je fais quoi, moi, ici? Il faut se faire enculer. Je dois orienter la baume. Ah, c'est sûr, c'est pas compliqué, mais quand même. Et regardez-moi ça, faut que je fasse quoi, moi? Je dois orienter la baume. Et faut se faire en... Tranquille. C'est quand même assez ouf, hein, cet épisode 3. Il fait tilter. Hein. Il fait grandement tilter, cet épisode 3. Faut le dire. Il fait tilter ses grands morts. Ça n'a aucun sens. Je dois orienter la baume. Non mais c'est vrai. Il fait tilter pour rien. Je dois orienter. Maintenant, elle me dit de grimper sur les mâts, mais je grimpe là-haut, y a rien. J'ai cassé le bazar, maintenant il faut que je retourne là-bas pour l'orienter. Mais je fais comment? Si je peux pas y retourner pour l'orienter, mais si, regarde-moi ça. Je peux pas. Arrête de casser la manette. La manette va partir. C'est dans ces moments-là que les manettes partent. C'est dans ces moments-là. Comment on peut faire des jeux vidéo? Et là, c'est pas du tout intuitif. Il faut monter, mais vous avez bien vu que je suis monté deux fois, monsieur. Je suis monté deux fois, y a rien là-haut. Je dois bien pouvoir grimper sur les mâts.
Le jeu, il est juste con, là. Là, en fait, là, pour moi, là, il faut que je retourne en bas, là. De merde, là, qui est en bas. Pour orienter le mât, là, qui est ici. Et du coup, pouvoir certainement y monter d'ici et voir ce que je peux faire là-haut, là. Le problème, c'est que de là-haut, je peux pas orienter le mât. Je peux pas réorienter le bazar. Et ici, je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Donc le truc logique, c'est que je monte. Mais là-haut, il n'y a rien. Il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien là-haut. Puis je vais monter, je vais pouvoir redescendre. Je dois orienter la baume. Je dois orienter la baume. Regardez. Et si je me la jouais de Jack Sparrow à tirer. Je dois orienter la baume. Et je peux rien faire là. Je peux rien faire. Je monte. Je monte et il n'y a rien. À moins qu'il faut encore monter, mais je monte par où? Je monte pas nulle part là. Je dois orienter la baume. Rien à faire. Il y a absolument rien à faire là-haut. Je dois orienter la baume. Je suis pas fou, il y a rien là. Il y a absolument rien là. C'est au moins la quatrième fois que ce jeu il casse les couilles là. Ça fait au moins 4 fois que le jeu il casse les couilles pour des énigmes à la con. 4 fois. Je dois orienter la baume. Orienter la baume, voilà, faut que j'aille là. Ah oui, 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 donnez un indice là, s'il vous plaît. Donnez, donnez. Donnez-moi. Sinon, je vais casser la manette. Bon, je la casserai pas, mais. Tu dois monter mais pas tout en haut. Et c'est une blague. Je suis monté mais pas tout en haut déjà. Je suis déjà monté mais pas tout en haut. Bah, je suis déjà allé sur la voile. Juste avant. Vous avez bien vu, je suis sur la voile à droite à gauche, y'a rien. Je dois orienter la baume. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Merci, merci. Merci Billing. C'est moi qui suis aveugle. Je dois orienter la baume. Tout est plein. Quel jeu de ses morts. Un espèce de jeu de ses morts. Là, on a gagné une heure, là. Je vous le dis. Là, grâce à Damien, on a gagné une heure. Mais pourtant les paramètres ils sont normaux. Hein? Mais comment ça? Pas d'ombre. Regardez, moi, elle a dû abuser, non? On est comment? Luminosité, je suis au milieu. Je suis pas non plus bas, quoi. Il a dû abuser sur sa luminosité, le monsieur. Là.
À moins que ce soit un espèce de mode graphique pour ce jeu-là spécial, c'est possible. C'est possible. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire hein? Je dois atteindre la vergue sur le Madmizen. Qu'est-ce que vous racontez? D'accord. Allons-y, let's go. Essayons de trouver ce que j'ai pu. C'est vrai qu'on était en mode tombeau. Oh. Non mais... je me fais casser le cul par un gorille géant. Salut, je m'appelle Antona. Ça va ou quoi, Antolisso? Ok, mais c'est super cool. Maintenant, comment que je fais pour retourner en arrière? C'est pas le moment de mourir. Alors, on vient d'où déjà? On vient de là, je crois. Hop les. Par un Kaioshin de merde. Ça respecte pas les cailloux ici là. Qu'est-ce qu'il me fait ce truc? Je peux pas voyager. Aïe. Zamasus et Black Goku. Ah ouais. Ouais mais quelle idée de faire cette histoire? Vous suivez pas l'histoire normale? Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a le mode histoire de Black Goku. C'est ça que tu es en train de faire. Ben oui. Et bien sûr. Nullement. Pas du tout. J'ai essayé, mais non. J'ai peut-être un petit espoir là. J'ai un collègue qui l'a eu avec Bandai. Du coup, j'ai envoyé un petit MP, mais on va voir. Hein. Je sais pas. Hein. Ça serait cool, mais bon. Sinon, c'est pas grave. Non. Oh non. Ça va me faire revenir là. Je crois, hein. Ah ouais, ça me refait revenir au bateau. J'en ai rien à branler, moi. Oh là là. Ça... J'ai envie de me barrer de ce truc. Mais je peux pas. Comment que je fais pour me barrer de cet endroit de merde? Toi, dans le 2, tu te barres d'un tombeau. Tu peux te barrer normal. Tu peux te barrer normal du tombeau. Là, tu fais un tombeau, mais sire, les putains de feux de camp, tu peux pas voyager rapidement. Et le chemin du retour, c'est le chemin d'aller à l'envers, mais du papa. Ah ouais, t'as pas aimé le 2? Bah, Seigneur fait pas le 3, hein, si t'as pas aimé le 2.
Enfin, normalement, je suis censé pouvoir faire un voyage rapide. Avec les feux de camp, mais celui qui est là, là, il veut pas. Il est marqué indisponible. Oui, 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 what the fuck. Bah, en vrai, j'avais bien kiffé le 2. L'histoire était pas si ouf que ça. Mais le gameplay était cool. Et là, c'est un peu l'inverse. Enfin, l'inverse. Le gameplay est toujours aussi cool, mais l'histoire a l'air d'être meilleure aussi. En tout cas, le 3, le démarrage et tout, là où se passe l'histoire et tout, c'est quand même plus intéressant. Regardez, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je casse la manette? Qu'est-ce que je fais, moi, à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là, moi? Je casse tout à ce moment-là. Regardez, indisponible. Comment que je fais pour me barrer d'ici? Le pire, c'est qu'en plus, je suis en mode histoire. On peut pas. Là, l'histoire du 3 est quand même un peu meilleure. Mais au niveau du gameplay, on est toujours bien au niveau du gameplay. Le seul problème, là, c'est que les tombeaux, ils cassent les couilles. Les énigmes, elles sont pas du tout intuitives. Il n'y a rien de... T'es là, mais bon, tu sais pas. T'sais pas où tu dois aller, quoi. Mets un repère pour voir un endroit pour te diriger et sortir. Marque repère. Vous voulez que je mette un marque repère? Je peux même pas mettre un marque repère. Je peux même pas mettre un marque repère. Non, mais là c'est une dinguerie. C'est-à-dire que pour moi le seul endroit pour sortir c'est ici. Mais c'est l'endroit où ça nous ramène à la descente pour revenir là. Ouais, mais regarde, tu vois, je vois rien. Regarde, tu vois bien que je le vois pas là. Tu vois bien qu'il est pour l'eau. Il est pas du tout là le bazar. Ah, ça rend fou. Hein. Ça rend fou. Je vous le dis. Après, je suis peut-être allé trop vite ici. Peut-être que. Qu'il y a d'autres chemins, je sais pas, mais. C'est vraiment relou. Non, mais je sais pas, monsieur. Je saurais pas vous dire, je saurais pas vous répondre là. La sortie doit être après le temple. Oh là là, doit être après le temple, c'est-à-dire. Il est où le temple? Faut que je remonte là-haut. Mon dieu. On retourne à l'enfer. Après le temple. C'est-à-dire. En fait, l'explos des tombeaux et tout est cool. La sortie doit être après le temple. Il y a des trucs. Mais oui, mais où? Après le temple. Là-dedans? Oh maman. Maman, tout puissant. Y'a quoi là-dedans? Mais non. La sortie doit être après le temple. Mais comment ça? Donc là, normalement, si je suis le bazar, tu fais le tombeau, t'ouvres ici. On voit rien ici. Mais allons-y. T'arrives là. On voit rien.
voit rien. La sortie doit être après le temple, mais où ? Le temple, quel temple ? Le temple, ce qu'il y a là ? Je ne crois pas. C'est ici le temple ? Par contre, le PS Plus est devenu une dinguerie. 26€ les 3 mois pour l'essentiel. Je sais pas, j'avoue que je saurais pas vous dire. Moi, je sais que le petit ref il prend à l'année. À l'année, ça revient moins cher, je pense. Ah ouais, le tombeau, il sera mon tombeau. Ça me casse les roues, Bibi. Ça fait 2 VOD que je suis emmerdé par un truc. La VOD précédente, c'était une énigme. Et là maintenant, c'est stamp à la con. Du coup, la VOD a duré 30 ans. Ça fait 2 VOD qui se terminent sur du sel. Du sel de Guérande. Comment que je fais, moi ? Ça me fait revenir les. C'est quoi ça? Attendez, il y a un truc là. Ben oui, mais c'est. Ah. Je suis saoulé. Ça me fait revenir là. Oh. Non. Mon Dieu. Enfin, je rentre. Oh là là, un miracle. C'est un miracle. C'est l'histoire de la vie. Ok, on termine la vidéo là-dessus. À demain pour la suite. Ciao.